Bon, ben on l'a enfin passé ce putain de chien. Ah là là, je crois que Ripperou c'est l'un des méchants que j'aime le moins. The Lost Sea. Ok, bah allons nous perdre dans la city. Alors. Oh putain, ça y est, c'est les trucs mid-tech. Truc à steak. Ouais, avec des super murs d'ailleurs et des jolies salamandres. Des salamandres qui me repoussent. D'accord, des salamandres qui, si je leur saute dessus, ben ça va. Alors, je suis en rate de vie, donc tu as pas mon. Ouais, voilà, je vais jouer Franco, voilà. Génial. Ça, ce sont des niveaux qui commencent à être assez longs en plus, ce genre de truc là. C'est pour ça qu'il faudrait pas se chier quoi. Mais bon, vous me connaissez, hein. Je suis pas normalement quelqu'un qui se chie facilement. Oh putain, faudra arrêter de se leurrer la gueule parce que je crois que plus de fail dans un crash que moi là, il peut pas. Je me demande comment j'ai réussi à le finir alors que j'avais même pas 10 piges à l'époque quoi. Hop, voilà, péter les deux nids de chauve-souris pour éviter que que celle-ci en fait ne se déplace. Ce serait préférable. Ok, maintenant, checkpoint. C'est beau, c'est beau, c'est beau, Mirabeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bon, j'ai eu la tête de Brio. J'ai eu la tête de Crash. Je continue, alors, comme si de rien n'était. Je pète le nid. Je continue. C'est génial. Pète maintenant, c'est cool. Ok, des plateformes. Si ça, c'est pas beau. Ah, ouais, je peux pas avoir la tête. Tant pis. Bim, bim, bim. Hop, les vite les pêches. On dirait trop jouer avec le feu. Pour les. Ah ouais, non, mais. T'es vraiment hardcore, toi, en fait. Hein. Ouais. Si ça, c'est pas de la synchrochronisation. Checkpoint again, tant mieux. Qu'est-ce que c'est ce machin? En plus, ça saute. Mais tu vas te calmer de suite, jeune. Voilà. N'arrête pas d'avancer. Ah oui, alors faut sauter là, faut que je saute ici, ok c'est cool, alors prends le rythme, hop, 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 et hop, checkpoint, on fait comme si on n'avait rien vu, plop, ah génial, je suis en train de bourriner ma DualShock 3 quoi, elle est en train de souffrir la pauvre. Ah, la fameuse caisse avec un point d'exclamation. Je me demande ce qu'il y a. Dommage, je ne le ferai pas. Alors là, je viens de me réceptionner, je ne sais pas comment. Je crois que les plus gros coups de luck et les plus gros coups fail du jeu, je suis en train de vous les faire découvrir, les amis. Voilà, voilà, voilà. C'est bien, les gars. Synchro, comme Madonna. Pourquoi j'ai dit Madonna? Alors là, je ne sais foutre rien. Un passage secret, tiens. Des pop-hommes avec rien à la clé. Ah si, attends, ça continue là-bas, je crois. Si? Ah oui, ça continue. Oh putain, je suis tombé. Non, je déconne. C'était la blague. Le type, quoi? Il est tombé. Oh, ça va, je vous fais des misères. J'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit? Bon, tant pis. Désolé. Oh là là, le duel acharné entre le Bandicoot et le ok et le ben le je sais pas quoi en fait hein. Déjà ça peut être cool, génial. Alors ça va assez vite, ok. Moi je suis plus rapide apparemment. C'est bon, toi je te ken même, je te ken maintenant. Il y avait une caisse en haut mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour finir le jeu le plus rapidement possible. Non, non, pas bon. Les trois en même temps, je veux, s'il vous plaît. Voilà. Ah, je vais peut-être tenter la caisse. J'ai dit tenter, les amis, hein. J'ai pas dit je vais réussir. Hop là. Oh, c'est abusé. Arrêtez de me faire ça, les gars. Ah. Ah putain, mais je me sauve de ces trucs, mais c'est impossible limite à faire hein, ça. En fait, s'il faut, je suis peut-être le meilleur joueur du monde. Ça se voit, n'est-ce pas, hein, depuis qu'on fait ce let's play. Je suis bon, non? Mais moi j'en rigole, putain.
Ça doit vraiment être pathétique. Mais bon, j'ai eu de très bons retours de votre part. Merci beaucoup encore. En fait, je pense que s'il n'y avait pas autant de fails dans ce let's play, je pense qu'il rencontrerait pas la notoriété, la qualité qu'il a aujourd'hui. Toi, je vais... Ok, j'allais dire que j'allais l'enculer. Et finalement, je me suis pris un wall shot. Alors attends, ça me fait penser un petit peu, tu sais, les barrières qu'il faut. Wow, le jeu. Wow. Un peu les barrières à attendre pour passer, un peu comme dans Star Wars premier volume. Vous allez me dire, mais putain, où est-ce que X-Rouge va nous trouver des, des comparatifs comme ça? Alors attends, il y a ce connard là. Ok, c'est génial. Je pensais pouvoir passer avant qu'il ne revienne, ce con. Mais en fait, je sais ce que je vais faire. Avant d'arriver sur lui, là voilà, je vais attendre. Oh, ce bâtard, il m'attend aussi. Oh, ce bâtard, il me nargue aussi. Allez, on va y arriver, les gars, on va y arriver. C'est comme si ça allait être fait très bien. Alors, je vais l'attendre là, parce que je sais qu'il retombe ici. Donc du coup, dans la logique, je t'encule là. Voilà. Ok, il y a ton cousin là-bas. Bon, attends, je vais faire la même. Hein. Déplace-toi, Crashou. Crashou, c'est dégueulasse comme nom. Bim. Mais bam. Mais boum, j'ai envie de te dire. Ah ben voilà, ça y est, ça en fait fini. J'y suis arrivé, les gars. C'est pas super, ça. Génial.